Voilà, petite pause, donc je suis du côté de Saussay-la-Couronne où je suis bien et tout à l'heure je me suis baigné au Carreau, une grande plage où là il y a de plus en plus de monde qui est arrivé, donc là je me suis mis plus côté un peu sauvage, il y a des pierres, de l'eau et puis les gens sont plus, voilà, prennent du temps. Le temps est agréable, la température, alors là, très très douce et bien. Et puis là, je suis en tailleur et je vais vous montrer. Donc voilà, je sais pas si on voit. Ah, ben non, je peux pas. Donc je vous souhaite une bonne continuité et puis à plus. Voilà, je suis en train de monter donc chemin de randonnée pour aller, je crois, vers l'abri Cézanne, enfin près de, toujours dans le massif de Sainte-Victoire, près de Sainte-Victoire. Donc voilà, ça me fait du bien parce que on se ressource. Il y a une chaleur tiède. Il est quoi, 8h du matin. Je crois qu'il doit être, on doit avoir plus de 20 degrés. Ouais, c'est. C'est agréable. J'ai rencontré peu de personnes. C'est bien, vous suivez mon nombre. Voilà, c'est beaucoup plus agréable d'entendre juste et voir. C'est vraiment hors du commun pour moi. Parce que c'est ici, en 2017, où je me suis sauvé de cette fameuse grippe, où j'ai pu me soigner par cette énergie. Puis la Provence, son air. Par rapport à l'asthme qui a été provoqué par cette grippe et les effets au niveau de ma gorge, trachéite et tout. Et je m'en sors, voilà, je m'en suis sorti et c'est top parce que à chaque fois l'univers m'apporte des messages comment je dois m'en sortir et un mode d'emploi qui vient automatiquement. Comme là, c'était important, je me suis levé à 5h du matin, j'ai préparé plein de choses pour les animaux que je gère et puis au logement qu'on m'a gentiment prêté à Martigues. Et après, j'ai suivi mes ressentis d'aller vers le tonnelé, puis après, direction la maison Sainte-Victoire. Et là, vous voyez, c'est magnifique. C'est sans filtre. Même ma respiration. Voilà, je fais vraiment profiter de ça parce que c'est important, le partage de tout, non pas de tenter les gens mais de vous offrir pour vous, pour moi aussi, pour plus tard, puis mettre ça sur ma chaîne pour un partage parce que c'est et aussi la solidarité sans non plus se sacrifier comme je le faisais à une certaine époque, sans non plus devenir égoïste, enfermer et puis dire chacun pour soi. Non, c'est d'être modéré, de réguler, de sentir qu'on peut le faire. Attention, j'ai failli me casser la tronche. Mais voilà, c'est. Voilà, j'agrandis parce que. Voilà. Là, vous voyez le petit aiguille. Je décale un peu. Là, c'est Sainte-Victoire. C'est vraiment le sommet.
ça croît. Et là, on est vraiment sur ce site majestueux avec ces différents, vous voyez, éléments naturels. C'est top. Voilà. Je souhaite une bonne continuité et j'espère que ces quelques minutes de partage vous ont fait du bien, vous ont intéressé aussi. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout.